Bon, comme convenu avec les clients, ici, hein, je vais partir entier avec le 75-75, 75-75, et en haut, j'aurai une coupe là-bas de 43, je crois. Les départs de poste, c'est toujours un petit peu compliqué parce que bah, y a la manière dont on voit les choses et la manière dont les gens peuvent le voir. Là, il y avait première solution, on pose l'entier sur la baignoire, on finit avec la coupe en haut. C'est quand même une grande coupe. Hein. Et, ou alors l'autre solution, ça aurait été d'inverser et de finir avec le carreau entier en haut. Écoutez, de toute façon, esthétiquement, je pense que là, ça va pas changer grand-chose. Quoi qu'il arrive, il y a très peu de joints. On est sur du 75-75, des joints de 2 mm. Là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais poser le carreau sur la baignoire avec deux cales de chaque côté, pareil sur celui d'à côté, et puis on va faire un beau trait de laser pour être bien droit, et après on va pouvoir monter. Et tout ça, eh ben, je vais les poser avec bah, mes petits autonivelants, ceux-ci, les twist level, et puis avec, hein, eh ben, j'ai toujours le petit sabot, vous voyez, c'est pas obligatoire, mais par contre, c'est vrai que je vous le conseille, c'est bah, au moins vous êtes sûr de ne pas abîmer les carreaux, c'est que c'est un plastique un petit peu plus tendre, au moins bah, on, avec la base là, on n'abîme pas le carrelage. Vous voyez, ça se clipse. Alors, en mortier colle, j'utilise celle-ci, la Ultralite de chez Mapei. C'est une C2TE-S1. Elle est très polyvalente hein, pour tout support, tout type de carreau, simple en collage pour tous les formats de carreaux jusqu'à 10 000 cm², confort applicable, donc tu veux, enfin bon après voilà, ils vous mettent ce qu'ils veulent. Hein. Donc c'est applicable au sol, dans les maisons, au mur et puis en extérieur, sol et mur. Il faut savoir qu'avec cette colle, on peut avoir deux consistances, on peut l'avoir normale ou fluide. Voilà, c'est, on dit qu'il y a un double taux de gâchage, on peut adapter un petit peu en fonction de ce qu'on veut. Bon moi c'est vrai que je suis sur des murs et là bah, je la veux pas liquide, je la veux relativement bah, onctueuse, on va dire. Allez! Voilà, je vous conseille toujours d'avoir un petit seau avec de l'eau, comme ça vous nettoyez la tête. Et là, voilà! Là, je vais peigner donc à 10 mm et ça va être forcément double encollé. Je vais déjà graisser mon carreau tout simplement. Ça, ça va favoriser l'accroche de la colle. Et sur des formats comme ça, eh ben, c'est obligatoire. Sur des murs. Bah, je vais peigner le mur juste là. Et là, peigne de 10 mm. Là, j'ai mes trois autonivelants blancs, j'ai mes petites cales ici. Et après, on mettra beaucoup de laser. Une fois que ça c'est fait, en dessous, on va quand même enlever un petit liseré de colle. Une fois que ça c'est fait, on va poser une cale ici, une cale là-bas. Voilà. Et puis aussi, on va poser ici. Voilà. Là. Et là. Alors donc maintenant, une fois que les arasons sont bien propres, je peux glisser ma petite lamelle. Je vais en mettre 3 par ligne. Voilà. Et ils font 2 mm, les joints seront déjà faits.
faire attention au bas, c'est souvent là où on charge un peu trop avec le paye. Ensuite, une fois que j'ai mis mon coup d'éponge, et ben je vais remettre mes petites cales. Alors, attends. Voilà. Après, on va remonter pour pouvoir régler les carreaux aussi. Alors, petite cale. Voilà. Là, ici. On sent qu'il y a un léger décalage. Du coup, les petits twists, je mets mon petit sabot sur la base, je clipse et je peux commencer à visser. Alors, pas besoin d'y aller trop fort d'un coup au départ. Hein, on est sur quelque chose qu'il faut régler dans son ensemble. Et là, je peux vous dire que c'est... Alors, je trouve ça pas mal d'en mettre sur... Quand on est sur des 75-75 comme ça, je trouve ça pas mal d'en mettre sur 3 sur la longueur. 2, on peut sentir un léger galbe encore, donc ouais, je trouve que ça, c'est sur 3, c'est pas mal. Il me reste juste le haut là. Et ils font 2 mm, donc j'ai déjà mes joints qui sont faits, quoi. Après, c'est jointé en ultra blanc. Là, il n'y a plus qu'à visser. Hein. C'est pas très compliqué et vous verrez après demain pour la dépose. Hein. Et là, c'est tout bon. On va mettre le petit coup de laser pour voir si on est bien de niveau, bien d'aplomb. Donc là on est dans le joint, hop, et là on est bien sur l'arête du carreau tout le long. Hein. Donc là on est bien de niveau, c'est bon, je peux commencer à monter. Ça, la petite coupe, je vais la faire juste après, mais je vais déjà me faire les deux grands qui sont là, voir le grand du dessus. Au moins, ça évite que la colle remonte dans les joints après.
toujours bien vérifier hein, les alignements. D'où l'importance aussi de bien enlever la colle hein, quand on pose des carreaux, sinon ça fait une légère surépaisseur et vous n'arriverez pas à faire lire les joints. Vous allez avoir toujours un petit décalage. Donc je peux vous dire que sur des formats comme ça, c'est vite un petit peu compliqué de devoir régler, donc de devoir l'enlever quoi. Donc voilà, si vous effectuez bien l'ordre que je vous donne, normalement vous n'aurez aucun souci pour faire une pause qui se passe bien avec ce type de format. Voilà, là j'ai juste, vous voyez, un petit décroché là, ici, qui va être pris après par l'auto-nivelon qui est juste là. Voilà. Mais bon, l'alignement on est bon, bah, une fois qu'on est bon là, il me reste juste les deux coupes là-haut, puis les petites coupes là, et après j'attaque celui-là. Le petit sabot. Donc là il est bien, c'est juste en dessous qu'il va falloir que je regagne un petit peu, donc je vais pas trop serrer ici, il faut se réussir un petit peu aussi à jauger. Hein. Voilà, moi c'est surtout ici que je vais reprendre. C'est bon, il est repris. Un petit décroché ici, j'ai plus. Voilà. On va éviter les manipulations et pour prendre les distances pour les coupes du haut, je vous rappelle que le calepinage a été vu avec les clients, le calepinage c'est celui-ci qu'ils ont choisi, avoir les coupes au-dessus, alors ça va être des grandes coupes. Et alors comment procéder? Alors ce que je vous conseille de faire, c'est prendre la distance avec le mètre du plafond jusqu'au bord du carrelage, 43,5, je vais prendre ici, normalement j'ai la même distance, exactement j'ai 43,5. Et bah à cette distance là, je vais enlever 4 mm. On va regarder ici aussi, pareil, 43,5 sur le bord du carrelage. Et ici, 43,5 sur le bord du carrelage. Là, je suis déjà bien, je suis déjà pratiquement à fleur. Voilà. Parfait. Chacun prochain. Plus rien, c'est vraiment à fleur ici. Bon, on va continuer comme ça sur les autres murs. Je vais finir la petite coupe qui est là-bas. Voilà, il faut vraiment être précis. Il faut vraiment être. Mine de rien, ça prend un petit peu de temps. Alors, on en gagne sur la pose, effectivement, on se fatigue moins. Bon, par contre, à chaque fois, on met notre petit sabot, etc. Par contre, on s'y retrouve vraiment au niveau de la pose par la suite, puisque bah, on est beaucoup moins fatigué. On peut faire un peu plus de mètres carrés. Et puis surtout, il y a. Enfin, on est à fleur, quoi. On est à fleur.
Là, on va mettre la cale ici. Je soulève légèrement le carreau. Et je lisse ma cale. Honnêtement, je suis impressionnée par cette carrelette. Ici, là, on a le gros diamant. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de forcer énormément sur la carrelette pour faire des coupes vraiment propres. Bon, bah là, on est le lendemain suite à la pose avec les autonivelants ici, hein, sur ces 75-75 rectifiés. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à les enlever. Alors, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'un petit coup sec dans la longueur du joint, vous allez voir, ça sort tout seul. Voilà, donc là il est cassé, il reste plus que ça en surface, vous voyez. Après on enlève le sabot et après on n'a plus qu'à enlever la petite lamelle. Voilà, et ça, bah, c'est réutilisable. Tout est enlevé, j'ai mis même pas 5 minutes pour enlever tous les croisillons autonivelants là, sur cette surface là, je sais pas, il y a peut-être 6 mètres carrés. C'est super rapide, super rapide. Après je recreuse un petit peu les joints, un petit coup de cutter pour que ce soit vraiment propre et que ce soit prêt à jointer. Ça va être très rapide. Je prends mon petit cutter, je refais mes petits liserets de joint. Après on va pouvoir enfin jointer. On va enlever toutes les petites aspérités. Voilà, on va enlever les petites cales aussi. Alors, on va tout faire propre. Toutes les périphéries vont être propres. Ça c'est très très important. Là, ça on l'enlèvera à la fin, le petit scotch orange. Après ce sera le plombier qui fera son silicone hein, là-dessous. Donc, Alors le joint que je vais utiliser dans cette salle de bain, c'est celui-ci, le Weber, le joint mince. C'est le pur blanc, le E06. Pour l'avoir déjà posé sur par exemple ces carreaux là aussi, puisque j'ai déjà fait une salle de bain avec ce type de carreaux, je trouve que le rendu final il est juste impeccable, il se glisse très très bien et puis surtout il y a très très peu de laitance par la suite. Donc franchement par confort, je reprends le même, c'est celui-ci. Voilà, vous avez tout. Donc là, sur ces formats là, il n'y a pas besoin de faire une quantité astronomique de joints, il y a très peu de joints. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre plus que ça, on va bien le faire rentrer.
Et voilà. Bien les remplir. Voilà. Allez, ça fait peut-être, je sais pas moi, un bon quart d'heure que ça a été jointé. J'ai bien laissé sécher, maintenant bah, c'est éponge, mouvement circulaire, juste dans les joints, vous voyez, juste pour les lisser tout doucement. Et vous allez voir, ça va très très vite se lisser, surtout si vous choisissez ce joint-là, honnêtement moi j'en suis super contente. On regarde s'il n'y a pas des petites aspérités dans les joints, voilà. Et je lisse tout bêtement. Vous avez les moins 10% sur le site eCarleur en tapant le code promo CAROTUTO. Vous aurez 10% sur l'ensemble de votre commande. Vous avez le site carotuto.fr si vous voulez encore d'autres informations. Ça peut être sur l'outillage et ça peut être sur des vidéos détaillées d'une autre manière. Je vous mettrai aussi dans la description le lien de la boutique en ligne pour des t-shirts un petit peu rock'n'roll. Et puis si vous aimez le style de vidéo de CAROTUTO, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être tenu informé des prochaines publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, hein, ça m'encouragera toujours à faire du meilleur contenu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.